Hop là. Me voici, me voilà. Tiens, moi je suis pas en... Je suis déjà en scène de jeu. Bonjour. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Hein. Oh putain, la gueule des cheveux, toi. Carrément, attendez. Oh, faut que je remette ça en état là, parce que là, c'est un peu. C'est un peu la misère. Ah non, les dieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déjà commencer par essayer le dernier jeu de Rétropoc, qui a l'air sympa, un petit jeu de réflexion plutôt cool. Je ne l'ai pas essayé, alors ça va être l'occasion. Puis après, par contre, je ne sais pas ce qu'on va faire comme jeu, sachant qu'on n'a pas 3 ans non plus, vu que Justine ne dort pas non plus super longtemps. Alors, hop. Ah, c'est mieux. Bam, bras, hop, nickel. C'est bon. Allez, tiens, on y va. C'est le jeu. Pouf. Faudrait que j'aille chercher le truc. Alors, je crois que Serge l'a mis dans le fichier Diabolique Couleur. Enregistrer. Ah, je suis pas sur la bonne partition. Tiens. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je. Hop. Diabolique couleur. Toc. Qu'est-ce qu'il raconte? Je dirai plus tard. On y va. Alors, est-ce que ma manette fonctionne? Puisque hier, on avait un problème avec la touche haut. C'est un bon. Petit chien par le deuxième faille. Franchement, c'est lourd ça. Alors, des. J'ai plus de couleur. Tiens, un petit coucou à Noam. Tant que j'y pense. Hop. Alors, ça commence pas tout de suite, j'ai le temps de boire un petit coup quand même. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, en basique. C'est pas trop moche, ça va. Et alors, ce qu'il faut voir, alors c'est sympa, il a combien de couleurs il nous a mis là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 12, 13 couleurs. Allez, c'est pas trop mal. Plus 14 avec l'encre clignotante Fire, là. Alors, le principe est simple. Hein. On a par exemple deux têtes de bonhomme donnent un carré orange. Deux carrés orange donnent un bidule vert. Deux bidules verts donnent un losange jaune, etc. Donc, on a par ordre de taille. Alors, par contre, ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est de ne pas avoir mis les couleurs dans un certain ordre. À savoir des couleurs plus foncées quand ça donne pas grand chose. Là, c'est un peu le contraire qu'il a fait. Et moi, j'aurais mis plutôt le violet pour les têtes de bonhomme. Après, j'aurais mis une couleur foncée aussi. Enfin, voilà. Mais dans l'ordre pour que ça devienne de plus en plus lumineux jusqu'à atteindre le niveau ultime. C'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Alors, pourquoi t'as dit ça? Alors, comment ça marche? Ah merde, putain, ça fonctionne au clavier. Ah, ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage, ça fonctionne pas au Joy. Ah, si, ça fonctionne au Joy. Alors, pourquoi ça commençait pas? Bon, donc là, on va mettre deux oranges. Bon, c'est pas trop compliqué. Par contre, ça m'a l'air de bouger un petit peu rapidement. Hein. Pour être précis, ça va être compliqué. Hein. Donc, bien entendu, il y a plus de trucs en largeur que. Enfin, il y a plus de trucs en. Donc, pas en largeur, il y a plus de pièces possibles que de largeur sur le truc, quoi. Alors, on voit la pièce suivante, ce qui est plutôt pas trop mal. Ça rappelle beaucoup de jeux de réflexion dans ce genre-là. Alors, par contre, je crois qu'il tient qu'en 10 lignes, hein, son truc, il me semble. Donc, c'est pour ben gros. On va éliminer ça. Alors, la tête, elle nous emmerde, hein, bien évidemment. Je suis même barré dès le début.
Mais le concept, c'est ça. Donc après, je ne sais pas ce que je vais faire comme jeu, du coup. On verra bien. Chaud le jeu, ouais. Ouais, bah, c'est des concepts un peu chauds. C'est rigolo. Alors, c'est pas le premier jeu à utiliser ce concept. Hein. Oh merde, j'aurais pas dû faire ça. Oh, je fais de la merde. Je fais de la merde. J'ai fait de la merde dès le début, quasiment. Alors, on va mettre de la merde tout à droite. Voilà. Hop, on va essayer de laisser ça là. On va foutre la tête à droite parce que c'est de la merde. Ça, ok. Voilà, ça nous donne un truc comme ça. Alors, par contre, je sais pas, ça fonctionne pas en diagonale. Hein. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Ah, j'aurais pu. Merde, c'est con. Hein. Il faut peut-être mieux éviter de mettre sur des pièces plus importantes. Genre là, j'ai une note de musique. Il faudrait que j'arrive à transformer les notes de musique en autre chose. Suis emmerdé avec ces putains de losanges. Pour réussir à éliminer en ayant le dernier truc possible, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Oh, j'ai beau ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, j'élimine quand même. Ah, bah oui, forcément, deux pièces en donne une. J'élimine pas, mais c'est normal, ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Alors, on va continuer comme ça. Bon, ça, je sais pas quoi elle sert l'Astérix, donc on va le laisser là pour l'instant. Et par contre, a priori, ça fonctionne pas autrement qu'à la verticale. Et merde, putain, je fais de la merde, ça y est. J'ai pas fait gaffe à ce que je faisais, et du coup, je fais de la merde. Donc ça, j'en veux pas. J'en veux pas. Je vais le faire à la bourrin. Hein. Mais tant que j'ai pas ce que je veux. Alors, cœur. Voilà. Voilà. Merde! Je voulais pas le mettre là. Ouais, par contre, c'est vraiment trop sensible. Hein. Il y a. Alors, ça donne. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Ah, si, ça marche aussi à l'horizontale, en fait. J'ai dit des conneries. Hein. À l'horizontale, ça fonctionne. Donc là, si je le mets là, ça va fonctionner. Ouais. Allez, pan. Ça m'emmerde, ça m'aligne là. Ah, du cœur. Du cœur. Il m'emmerde, il me donne pas ce que je veux. Voilà. Ah. C'est pas mal pour un petit truc en basique. Par contre, c'est trop. Le test de touche est un peu chiant, quoi. Ça bouge trop vite. On a tendance à se retrouver sur la mauvaise colonne. Alors là, je vais pouvoir éliminer une merde comme ça. Si je mets ça là, ça me permet d'avoir le jaune après. Tac. Là, ça tombe bien. Il me donne un cœur. Oh, bah, ça peut marcher. Si, ça marchait. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. J'ai l'impression que ça a merdé. Bon, c'est pas grave. Hop, on va mettre celui-là au-dessus. Hop, une deuxième tête. Pouf. Alors ça, bah, je sais pas où le mettre. Je sais pas à quoi ça sert. Les merde, je voulais pas le mettre là. Voilà, bah voilà, ça me provoque des erreurs. Du coup, c'est trop rapide et du coup, on se plante deux colonnes quoi, bêtement. Putain, je suis de la merde. Bon, tant pis. On pourrait essayer d'avoir deux haut level au même endroit, ça va pas être évident. Je fais de la merde, c'est très con ce que j'ai fait. Là, je suis vraiment en train de me retrouver dans la merde. Donc le cœur, il va s'éliminer lui-même. Ça aussi. Alors là, j'ai réussi à éliminer quelques trucs, mais par contre, ça m'arrange pas du tout. Sinon, c'est plutôt rigolo. Alors, on va essayer. Alors, orange va me donner du vert. Il faudra que je récupère du vert pour réussir à avoir le bon truc. Oh merde. Ben voilà, j'aurais pas dû le mettre là, tiens. Là, je fais le con. Je sais pas, c'est quoi les trucs qui clignotent en fait.
ça va me faire chier aussi. Alors, ça, je le mets là. Ensuite, il me faudra un losange. Donc, une tête. Oui. Non, je voulais pas le mettre là. Putain de bordel. Ah oui, est-ce que je vais réussir? Ouais. C'est bon. Enfin, j'arrive à diminuer un peu tout ça. Bah, je voulais pas le mettre là, mais c'est pas grave, tant pis, hein. C'est un peu casse-couille, le test de collision. Enfin, c'est pas le test de collision, c'est le test de toucher casse-couille. Ouais, hop, la tête, tu dégages. La prochaine, tu dégages aussi. La prochaine, pareil. Hop, comme ça fait deux direct. Le cœur, bah, je peux le mettre. Ça, j'ai dit tout à gauche. Voilà, c'est bon. Pour l'instant, on a réussi à avoir un éclair, hein. C'est tout. Alors, on va mettre ça là-dessus. La tête, là, elle va nous faire chier, on fout tout à droite. Ça, pareil. Alors, est-ce que ça va gérer trois trucs? Parce que là, si je mets le cœur là, il y en a trois qui se touchent. Ouais, a priori, ça marche. Oh merde, putain, j'aurais pas dû le mettre là. Ça m'emmerde. Je suis dans le caca. Hein. J'ai un peu mal commencé en même temps. Hop. Hop, dégage. Il m'emmerde avec ça. Allez, dégage. Voilà, je peux pas le mettre. Voilà, on va le mettre. Ah ben oui, mais non. C'est pas suffisant. J'ai réussi à péter des trucs sans le faire exprès en fait. Tac. Donc là, hein, comme ça va donner une note de musique. Voilà, j'ai réussi à éliminer un truc. Il faudrait que je refasse pareil. Donc que je recommence avec des bonhommes. Ce qui serait plus logique. Pour en avoir un deuxième que je mets au-dessus. Hop, dégage. Ça va. Tant pis. Hop. On peut le mettre là. Alors, est-ce que je vais avoir le temps d'envoyer le orange tout à droite? Yes. Hop, lignage. Tac, là j'ai deux oranges. Hop, on va les mettre là. Allez, au pif. Il me donne pas de bonhomme là, il est chiant. Hop. Alors lui, je vais pouvoir le mettre en bas. Tant qu'à faire. Lui, je peux le mettre là. Voilà, là il me donne un bonhomme. C'est pas trop tôt. Hein. Un bonhomme. Alors maintenant, il faudra du orange du coup. Et voilà, je voulais pas le mettre là. C'est un. Oh putain, je me gâche le truc quoi. Oh vas-y, c'est chiant ça. Bon. On va essayer de s'en sortir tant bien que mal, mais à mon avis, c'est plus mal que bien. Ou alors, je fais n'importe quoi. Là, je fais vraiment de la merde. Je peux pas m'en sortir. Ça va pas le faire. Je suis quasiment mort. Et puis, ça me donne pas des trucs. Alors, je n'ai pas trop le temps de lire ce que tu m'écris, Rune. C'est bien rapide les calculs pour du basique. Voilà, si tu le dis. J'ai du mal à me rendre compte, hein, parce que moi le basique, j'utilise pas quoi en fait. Enfin, j'utilise le basique pour faire des courbes, charger des fichiers, faire mes outils, mais pas pour autre chose quoi. Donc, du coup le basique, je suis incapable de faire un jeu en basique. Bon déjà ça ne viendrait pas trop à l'idée, mais c'est peut-être un tort d'ailleurs. Il y aura peut-être moyen de faire des trucs vachement sympas, mais enfin, il y a moyen de faire des trucs super sympas. Bah, surtout, je crois qu'il disait que ça tenait en 10 lignes, c'est pas ça qu'il disait. Il me semble hein, que son truc il tient en 10 lignes, donc c'est quand même plutôt pas mal, moi je trouve. Hein. Franchement, tu lui mets des bons graphes, il y a moyen d'avoir un petit jeu sympa. Et puis, corriger quand même le truc de touche qui est vraiment pénible.
Par contre, ce serait pas mal. Parce que du coup, tu vas sur une mauvaise colonne à chaque coup, quoi. Alors, est-ce que j'aurais le temps? Yes. Hop. Salut, mignon. Donc après, je sais pas ce que je vais faire comme jeu, hein. Si vous avez des suggestions de trucs que je peux faire. J'ai vraiment pas le temps de lire ce que vous écrivez. Non, moi je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Voilà. Pff, bah, je vais mettre au pif hein, parce que là je commence vraiment à être dans le caca. Et je vais pas pouvoir m'en sortir. À mon avis, c'est mort là. Hein. J'ai vraiment pas de. Vraiment pas de solution. Putain, voilà, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Non mais je suis déjà en stream, Serge. C'est trop tard. Non, je vais pas faire d'autres jeux de Rétropoque parce que sinon c'est plus c'est une émission Rétropoque quoi. Si je fais ça après, il y aura machin qui sortira un jeu, je serai obligé de faire son jeu parce que j'aurai fait les jeux de Rétropoque, gna gna gna, Jural, Google, SNCPC quoi. Non, non, faut que je prenne un. Oh, Savage, pourquoi Savage? On a déjà fait 10 fois Savage. Non, je sais pas, un jeu moins courant, quoi. Un petit truc à découvrir, un truc sympa qui n'est pas connu, quoi, ce serait bien. Façon, là, je sens que je vais crever d'ici très peu de temps. Parce que là, je peux plus rien faire, là, quasiment. À part sauver les meubles. Voilà, j'ai réussi à éliminer quand même un petit peu. Hein. Pouf. Pouf. Il va me faire chier forcément. Oh, j'aurais dû le mettre à droite, j'aurais pu poser la tête dessus. Tant pis. On essaie de s'en sortir tant bien que mal. Voilà, on a presque réussi à gagner de la place hein, depuis tout à l'heure. Hein. Voilà, la merde, forcément. Là, la merde, forcément. Là, c'est pareil, ça peut m'arranger. Ça non plus. Ah, merde, putain. Pourquoi il me fait des astérix? J'ai pas compris pourquoi il y a des astérix de temps en temps. Ça, j'ai pas compris. Ouais, c'est mal barré là. Hein. Allez, l'autre aussi, toc. Ouais, c'est très très mal barré là. Je sais pas si on peut les péter les trucs, genre si je refais un truc dessus, est-ce que ça pète le. Non. Les Astérix là, il n'y a pas moyen de les péter, hein. Et je voulais pas le mettre là, putain. Allez, tout à gauche. Ouais. Tout à droite. Ouais. C'est mort, ça c'est mort, ça c'est mort. Ah non, c'est bon. Là j'en ai deux de suite, donc je peux les mettre là. J'ai pas le temps, faudrait connaître le jeu en fait pour réussir à faire quelque chose de bien. Et réussir à connaître l'ordre par cœur des trucs en fait.
parle, je viens de ça, je ne connais pas grand-chose. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as déserté en 84 ou une connerie comme ça, donc forcément, ça aide pas. Alors, est-ce que je vais réussir? Non, bah non, je vais pas réussir. Bah, c'est vraiment pas facile la gestion des touches, il y a quelque chose à améliorer quand même. Allez, on tient jusqu'au bout. On dira que ce sera ma participation au concours de scoring sur ce jeu. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est dommage que, ouais, avec des bons graphes et avec un. Ah merde, un test de touche qui réagit mieux, ce serait quand même plus cool. Ah, putain. Bah pourquoi pause? Qu'est-ce qu'il veut là? Pourquoi il s'est mis en pause? J'ai pas compris là, c'est moi qui ai touché la barre espace ou quoi? Et là, il se m'en pose là, je lui ai rien demandé moi. C'est quand on touche une note de musique? J'ai pas compris. Un truc que j'ai pas capté là. Ah hein. Oh, putain, et puis vas-y que je le mets au mauvais endroit quoi. Bon bah écoute, je sais pas quoi faire. J'arrive à me maintenir la tête en dehors de l'eau. Je sais pas comment. Putain. Voilà, c'est insupportable. Le truc là de touche est insupportable par contre. Pourquoi il se met en pause? Je comprends pas ça. Pourtant, j'ai pas lu la notice, donc que je comprenne pas, mais c'est un peu étrange quand même. Voilà, et on ça tue vachement le truc, ça. On va faire chier les têtes là. Ça sent la fin quand même. Allez. J'en ai pas. Et merde, j'aurais pas dû le mettre là. Oh putain, je rebouche le trou aussitôt, quoi. Je regarde pas assez la pièce suivante, en fait. Je commence vraiment à plus avoir de place, hein, par contre. Voilà, si vous pouvez éviter de m'envoyer tout le temps le même truc, ce serait pas mal. Ah, c'est quoi ça? Ah, il y avait une bombe, et dis donc, de temps en temps, on gagne des. Tiens, c'est marrant ça. Quand on commence à être dans la merde, peut-être. Putain, c'est pas ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça me broute le cul, ça, par contre. Hein. Voilà, c'est fini. Je suis mort. Je suis mort avec 649 points. Alors, 3 en horizontal. Il n'en cumule que 2. Ouais. Savage, non. Pas James Soft, non. Gna gna gna. Non. Bon, alors, du coup, on ne sait pas ce qu'on va faire comme jeu. Super, merci les gars. Bordel de merde.
On peut rien vous demander. Sans déconner. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Allez, programme. Catégorie. Jeu, bah, d'action, tiens. Et puis, on va mettre des paramètres en plus, genre avec des commentaires. Hop. Comme ça évitera d'avoir des grosses bouses. Qu'est-ce qu'il y a que je connais pas là-dedans? Et que j'ai pas fait. Ça a l'air nul. Bon bah, le temps que je trouve quelque chose, eh ben je vais vous coller une démo dans la gueule. Même si j'aime pas mettre de démo en stream, parce que je trouve que ça sert pas à grand-chose. Je vais quand même vous mettre une démo, ça vous apprendra, tiens. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme démo? Bah, ça va être le même problème. Un truc chiant. Je prends un truc chiant, un truc qui boucle. Là, ça, si ça marche. Voilà, tiens, hop, je vous mets Winamp. Non, mais... Putain, mais genre même ce putain de Winamp il émule rien, donc forcément, hein, le FDC bah, il aime pas, donc on peut même pas vous coller une démo pour vous faire patienter. Alors, The Apprentice, alors, je crois que c'est naze, hein, c'est une espèce de sorcellerie, hein, il me semble. Tiens, on va vous mettre ça. Hop, je crois que c'est du CPM aussi pour la lancer là. Ouais, c'est ça, vas-y, hop. Peut-être que je me mette en CRTC. Je crois que ça passe que sur 0. Hein. Bon, ça on s'en fout. Allez, passe à la partie suivante. Trust, je l'ai déjà fait. J'adore ce jeu, mais je l'ai déjà fait.
Ouais, elle est sympa cette démo. Surtout pour l'époque, elle était très très sympa. Baby Joe, bah, je l'ai déjà fait il n'y a pas très très longtemps. Alors, le problème de Baby Joe, c'est qu'il n'y a pas de musique, donc on se fait vite chier pendant le stream, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Bon, j'en ai deux là. J'en ai deux, j'en ai deux. Comme papa avant son opération. Allez, on va se faire ça. Bon, je vous laisse regarder l'animaux hein, pendant que je download. Voilà, j'ai deux disquettes. Salut Sico. Bon, on va la, hein, on va la passer et puis voilà, c'était rigolo hein, comme démo. Voilà, c'est le dernier objet, donc on va pouf, faire un petit reset. Allez, c'est parti. J'ai trouvé. Alors, on va repasser en scène de jeu. Oh, histoire que vous voyez ma tête. Et surtout le chat, parce que ma tête s'en fout. Ah oui, j'aimerais bien trouver un filtre pour faire la vidéo, comme disait Eric hier, la vidéo en mode CPC, tu vois, qu'on voit ma tronche en mode zéro en temps réel, quoi. Ce serait cool ça. Je sais pas si c'est faisable, si ça existe. En mode CPC plus, hein, on va pas s'emmerder avec des couleurs old. Hein. Allez, hop. Je l'ai mis là. Hop. Face A. Oh merde, j'aurais dû regarder. Ah, c'est un CPM. Alors, on dit UCPM. Je me rappelle pas l'avoir fait en stream ce jeu. Il est sublime ce jeu. J'adore. Enfin, Spaceport, mais il est trop bien. C'est que sur l'émulateur, c'est impossible de lire le texte. Strictement impossible. Pour une fois que sur CPC, on avait une petite intro. Hein. C'est
Pas la truc du siècle, mais c'est pas trop mal, quoi. Ouais, CPC version, mon œil. Non, ta gueule. On s'en fout. Alors, deux joysticks. Minimap. Bah, M. Ouais, yes. Ah, cette musique. J'adore cette musique. Cette musique. Bah, je m'en fous de moi. Pense que ça change peut-être un niveau de difficulté, non? Donc voilà, on nous affiche trois croix. Il va falloir qu'on mette. Ah ben là, on voit le scroll. Hey, ils avaient fait un petit scroll au pixel en mode 1, non, c'est ça? On dirait mieux qu'il est au pixel, hein? Alors, c'est cool ça. Voilà, donc on nous explique qu'il faut qu'on mette nos persos aux endroits où il y a les trois croix sur le plan. Alors, normalement, cette phase-là, ça devrait aller à peu près. Elles sont jolies les croix. Ah, ils auraient pu se contenter d'un X tout pourri, tu me diras. Bon, allez. Alors je suis Delta. Ok. Donc ça commence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Il va pas me montrer la même déjà, ça commence bien. Je lui dis la touche M et du coup il n'en veut pas. Genre, il se fout de ma gueule, je vais pas pouvoir voir où je vais, quoi. Donc, bon, c'est pas grave, on s'en fout pour l'instant. Le but du jeu, c'est de pas se faire voir par ces conneries, là. C'est-à-dire, pas comme tout de suite, parce que là, je me fais flinguer. De toute façon, comme il veut pas me montrer ma map. Il est con, quoi. Vas-y, échappe. Alors, crève. Crève. Crève, j'ai dit. Même crever, je peux pas y arriver. Je suis pile poil dans la lumière. Hein. Pas mal de crever là, parce que là, tout ce que j'ai mis pour la map, a priori, il n'en veut pas. Hein. Moi, si je vois pas où je vais, bon. Alors, on reset et on recommence. Putain de saloperie. Hein. Aptab, c'est quoi Aptab? Ménor qui me dit ça. Qu'est-ce que c'est Aptab? Je connais pas. Ouais, allez, on se bat les steaks. Ta gueule. Ces putains de bordel. Ah là là. Bon, bah on va mettre quoi? Je sais pas, N. Yes. Est-ce que ça a marché ce coup-ci? J'adore cette musique. Ah, j'avais fait training. Ça. Bon, est-ce que ça marche ce coup-ci? Je peux toujours pas voir la map, donc je sais absolument pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça marche pas? Tu peux regarder la map quand t'es là. Alors pourquoi ça merde? Ils ont un test de touche qui marche pas complètement?
J'ai enlevé le PPI émulation, même s'il me semble que t'as beau l'enlever sous l'INEP, ça change rien. Bon, ça change rien, c'est bien ce que je dis. Pourquoi est-ce que je n'ai pas ma putain de map, espèce de connard? Oh, qu'est-ce que ça me saoule? Tout le temps que ça merde, ces émulateurs de dos, mais qu'est-ce que c'est de la merde? Je peux sauter par-dessus normalement, mais je sais plus comment est-ce qu'on fait. De toute façon, je vais pas pouvoir jouer si je peux pas voir la map, ça sert à rien. Hein? Donc on va arrêter tout de suite, ça m'énerve. Ça y est, ça m'énerve déjà. Putain, c'est pas possible d'avoir des merdes pareilles, quoi. Voilà, hop, moi je sais ce qu'on va faire. Winep, tu te casses. Voilà, tu dégages. Et putain, par contre, je sais pas si j'ai. On va changer d'émulateur, hein, parce que c'est vraiment de la merde, mais il n'y a pas à chier. Hein. C'est une grosse daube. Ah, où est-ce que je vais l'avoir mis? Vas-y, putain, ça m'énerve. J'ai trop envie de faire une recherche, quoi. Plus, Windows, il est con comme la manche. Alors. Ah. 0.33. C'est la 0.30, la dernière version de Swingerbox. Ok. Donc, il est. Donc, il est. Là. Bah, c'est bizarre parce que on s'en tape, hein. On s'en fout pas les steaks, hein. Du moment que ça marche, le reste, on s'en fout. De toute façon, ça peut pas être pire que Winape. Sauf que cette espèce de connard. Voilà, et on est pas trop tôt. Hein. Bon, utile. Alors, file. Alors, c'est pas dans file, c'est dans le disque. Non, ça c'est un peu con. Je sais pas pourquoi il y a file d'un côté et disque de l'autre. J'aurais tout mis au même endroit. Alors, attends, on est en quoi comme machine? 464, ça va pas. Tu me serais du TFR. Est-ce qu'il reconnaît ma manette? Ouais, super. Alors, connard. Disque. Insert. Hop, allez, c'est parti. On va peut-être mettre un peu plus de son. Ça m'a l'air fort. Hein. Ça m'a l'air très très fort. Bon, l'intro, on s'en bat les steaks. Hein. Moi, je veux la passer. Là, je m'en fous de l'intro. Ta gueule. Ta gueule, j'ai dit. Je m'en fous, je t'ai dit. Oh là 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 là. Pourquoi je peux pas le passer, ça? Putain, il n'y a pas un seul émulateur qui fait la même chose, quoi. Vas-y, ça me saoule, hein. Putain, mais c'est dingue, ça. Là, je peux même plus passer l'intro, là. Eh, mon Fire, il fonctionne, non? Bordel de cul, là. Putain! Émulateur de merde. Je m'en branle là. Dégage. Allez, on, ça y est. Putain. Alors, menu map, je veux. Ah bah tiens, on va remettre N. Ah bah oui, N, je comprends. Ça se trouve, c'est pour ça que ça marche pas depuis tout à l'heure. Bon, M.
à l'heure, ça marchait pas. Et non. Là, il est tellement con qu'il croit que c'est du QWERTY, cet abruti. J'ai une merde. Allez, vas-y. On s'en bat les steaks. M. Ça marche toujours pas. C'est incroyable, hein? Alors, comment est-ce que je fais? Pourquoi ça marche pas? Alors là, on peut voir la carte, j'ai pas rêvé, quoi. Comment tu veux te placer au bon endroit? Alors, hein, si on appuie sur échappe aussitôt, on s'en sort. Et ben, on va mettre une touche, je sais pas, moi. Comme ça, en QWERTY ou en AZERTY, c'est la même chose. Putain! Allez, hop, ça me bat les steaks. J'ai dit U. Ça marche pas. Bon, bah écoute, hein, ça marche pas. Hein. Il n'y a pas moyen de voir cette putain de carte. Donc, c'est quand même incroyable. Pourquoi ça marche pas? J'en mettrai ma main à couper que tu peux voir la map. Sinon tu sais pas où tu vas quoi. Sais même ça fait des siècles que j'y ai pas joué, mais quand même, normalement la map tu la vois quoi. Je comprends pas. Je peux pas savoir où je suis, donc je vois pas l'intérêt. Ça marche sur aucun émulateur, quoi. C'est juste aberrant, quoi. Donc je sais pas si j'ai atteint l'endroit où je dois m'arrêter. Pas moyen de le savoir. Bon, on va faire un autre jeu, hein, parce que là, c'est pas la peine, on peut pas jouer. Allez, dégage, sale con. Qu'est-ce que ça m'énerve, ce genre de truc. Allez, on va se faire un autre jeu, puis après, j'arrête, parce que là, ça commence sérieusement à m'énerver déjà. Donc, on va pas continuer pendant 3 jours, là. C'est incroyable, hein, d'avoir aucun truc qui fonctionne, quoi. Je sais pas si ça vient de l'émulateur, ou du jeu, ou... Deux émulateurs de suite où ça fonctionne pas, c'est un peu curieux quand même. Hein. Ou alors c'est moi qui ne me rappelle plus comment ça marche, j'en sais rien, mais en tout cas ça me casse les couilles, donc je vais pas continuer pendant 10 ans. Allez, on va mettre ça. Toc. Donc on va rester sur ce Gearbox. Ouais, du coup, il n'y a personne qui parle, donc c'est pareil, quoi. C'est pas super intéressant de faire un stream s'il n'y a pas de participation. Autant faire une vidéo à la maison, quoi. Allez, hop. Allez, merde, je start. Oh, celui-là, il est dur. Hein. Mais il est bien. Dans ce jeu. Ça fait 10 siècles que j'y ai pas joué, donc c'est pareil, je vais me faire éclater la gueule. Alors, au début, c'est relativement facile. Hein. Voilà. Mais ça va vite se compliquer. Hop là. Alors là, il va y avoir les merdouilles, ils vont casser les couilles là. Donc faut se méfier. Il n'est pas sur le même plan.
de souci. Quoi il parle là avec les vitres? C'est le machin avec les vitres. De quoi tu parles, le machin avec les vitres? Ouais, celui-là il est chouette. Hein. Il est chouette, mais il n'est pas facile. Et surtout, il y a un temps. Voilà, je finis en train de faire toucher moi. Je suis con. Allez, hop, on y va. Alors là, on va réussir à passer par-dessus en tapant dessus, mais faut pas aller trop vite non plus, parce que sinon. Voilà. Voilà, on l'a un. L'autre, il me reste 109 de temps. C'est limite déjà pas assez. Voilà. Faut prendre son temps quand même, mais il faut pas en prendre trop parce que. Voilà. On saute par-dessus ces machins-là sans se faire toucher. C'est bon, j'ai réussi. Fini le premier niveau. Il y a peut-être moyen d'optimiser le jeu. Quel jeu? J'ai confondu avec un autre jeu où tu dois éviter ou casser des vitres dans un monde pseudo 3D. Je connais pas, c'est quoi ça? Ah merde, j'ai touché. Alors. Là, il y a des merdes. Je sais pas ce que. Je me rappelle plus ça. Faut les toucher ou pas ça? Ah, il faut les toucher qu'une fois. Oh putain. Je me rappelle plus. Ça fait tellement. Oh! Ça fait tellement longtemps que j'ai joué à ce truc-là. Voilà, là, j'en ai. Voilà. Ah putain. Alors, idée sur le deuxième carreau. Allez! C'est chaud, non? Sa boule a une fin ou sa boucle après. Alors, aucune idée. Mais alors, strictement, aucune idée. Bon, ils vont jusqu'où là, les merdes là? Les merdes. Ah ouais, bah, je m'en doutais. Oh, je suis mort déjà. Je suis mort. Il est vraiment pas facile ce jeu. Bon, j'allais plus loin que ça avant, hein, mais je suis jamais allé à la fin de ce jeu, je sais même pas s'il y en a une. On va regarder sur CPC Power, ça doit être marqué. C'est con, j'ai fermé la page alors que je viens d'aller télécharger dessus. Ouais, bon, c'est un spécial port, hein, Sico. Il y a même pas trois couleurs, parce que finalement, c'est un raster, hein, qui change qui met le marron, le rouge foncé, comme tu préfères. C'est un raster, d'ailleurs, si tu le vois, le contour des trucs, putain. Le contour des trucs qui sont dans le fond, si tu regardes, tiens, par exemple, le truc au premier plan, l'espèce d'échelle, elle a un contour noir que tu verras pas un peu plus haut, parce que y a un raster qui fait du marron foncé, là, enfin du marron, et du coup qui change le noir en marron. En fait, il est en deux couleurs, ce qui est plutôt logique parce que sur Spectrum, c'est ça, hein, c'est une graphe 1 bit. Hop là, bon, alors là, par contre, j'ai perdu pas mal de temps.
C'est pas toujours facile de gérer la profondeur dans le jeu. Voilà. Oh bah non, là j'ai tout. Oh putain, quel con. Ouais, alors là c'est du mode 1. En vrai, à l'écran, là il est en mode 1. Mais tous les graphes sont en mode 2 si tu veux. C'est sur un bit. T'as deux possibilités, on va dire. Ah merde, tiens, il restait ça. Oh là là, je suis dans la merde. En plus, là, j'ai perdu plein de vie, là, déjà. Ah, je sautais pas si haut. Allez! Ah, il est très stressant, hein, ce jeu. Mais c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu. Alors, je sais pas, tiens, comment est-ce qu'il est fait le damier là? Ça doit être calculé en temps réel. Ça doit être une. Oh là là, oh là là, bah oui. Quel con. Le HUD est forcément en mode 1. Ouais, par contre, oui, effectivement. Il a vraiment trois couleurs. Je suppose que les ennemis là qu'on voit, ils sont zoomés en fait. Hein, il n'y a qu'un sprite pour tout. Il doit y avoir une petite routine qui fait un zoom. Alors, qui fait pas vraiment un zoom, mais qui affiche en plus grand, on va dire. Qui affiche en zoomé, quoi. Oh là là, mais je suis mauvais. Tiens, si on va voir. Ah bah oui, oh merde, je suis sous Garbox. Je sais pas comment. Il y a un débugger, mais je sais pas s'il y a un. Ah, on peut pas voir les graphes, hein, je crois pas. Voilà, bah on va retourner sous Winape, hein, malheureusement. C'est ça, hein, les émulateurs, il manque des trucs. Malheureusement, tu es obligé de. C'est pour ça que je suis souvent sous Winape. Alors ouais, ils auraient tout à fait pu faire du cycling de couleurs. Ils auraient pu faire un vrai mode 1 aussi, ou faire un mode 0, mais sans cycling de couleurs, en utilisant la même technique. Parce que là, finalement, il doit faire des rotations, je pense. Je sais pas comment est-ce qu'il est stocké. Je sais pas si on va pouvoir le voir quelque part. Bon, moi, personnellement, si j'avais à coder ce genre de truc, je ferais mon motif de damier avec la perspective en profondeur, et j'aurais une table pour faire cycler, quoi. Allez, hop, on leur lance sous Inep. Bah, c'est quand même pas mal, moi, je trouve. Allez, hop, on lance, voilà, comme ça on est sûr. On va passer en bureau. Voilà, coucou. Vous me voyez. Allez, on voit même le. C'est rigolo parce qu'on voit avec la vidéo en décalage. Donc là, en fait, il y a trois décalages en un. Impressionnant, hein? Allez, on s'en bat les steaks de toute façon. On n'y va pas pour ça. On va se mettre hop et on va se mettre direct. Alors déjà, on va agrandir un peu tout ça. On voit déjà qu'on a du graphe. Là, c'est du graphe. Et on va se mettre direct en mode 2. Pouf! Et c'est notre damier, d'ailleurs. Alors logiquement, il doit faire 64 de. Bah non, 64, il devrait faire 64. Ah, peut-être qu'ils font une symétrie. Ouais, je sais pas comment ils font. On va voir, on va l'agrandir petit à petit. On va finir par le voir en entier, notre damier. Ah, d'ailleurs, là, on l'avait. Donc là, on peut aller à 40. Ah oui, 40. Bah oui, 40. Ah, bah voyons. Voilà, donc là, en fait, on a notre damier. Et on l'a en plusieurs fois. Alors, une, deux, trois, quatre. Bah oui, voilà. En fait, il l'a en quatre décalages. Ouais, c'est pas con. Du coup, il a juste à alterner ça. Et puis, ça lui donne un décalage. Et après, il faut qu'il redécale tout, quoi. Mais il doit être décalé. Voilà. Quand il s'est redécalé, après. Il doit inverser les couleurs sans doute. C'est plutôt rigolo.
Donc là, on a le damier. Je sais pas si vous voyez, oui, il est derrière mon truc. Là, on a le damier, là, en 16B, des brouettes. Moi, je suis pas tout à fait bien calé. On va me décaler deux lignes. Allez, voilà. Il est en 1700 et il fait. Hop. Voilà. Il fait ça. De haut. Si je me mets comme ça, hop. Voilà, là on a nos quatre décalages. Ce qui est plutôt rigolo. C'est pas con. C'est pas con du tout. C'est plutôt sympa, mais alors, du coup. Donc là on est en mode 2. Hein. Lui il l'affiche en mode 1. Donc si je passe en mode 1, c'est dégueulasse. Et comme lui, il raffiche à chaque fois, il raffiche en permanence, donc du coup, forcément, on peut. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, et puis du coup, on doit avoir. Donc au début, on avait quoi? On avait rien de particulier. Si là, ça doit être une fonte, ça sans doute. Si je me mets par là, que je me mets en 1 de large, voilà, c'est une fonte, hein. Ça se voit à vue de nez, on le sent direct. Ça, bah, c'est un peu plus large. Oh, je sais pas ce que ça représente. Hein. Faudrait regarder par rapport à ce qu'il y a dans le jeu. C'est des petits caractères. Ouais, je pense que c'est des trucs qui font un aussi, un ou deux de. Ouais, deux. Voilà. Ça ressemble à. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble pas à grand-chose. Oh, même un, ça c'est du caractère. Non, ça rien, bon on s'en fout. Là pareil, il y a des petits morceaux de trucs de merde. Et puis voilà, là on va retrouver des sprites. Des sprites avec leur masque. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est trop. Faut que je me mette en 4. 3. Non, pas 3. En 3? C'est quoi cette merde là? Ouais, c'est une table, ça. C'est mon bout du graphe. Mon bout du graphe, on a là, hein, on a la boule. On a la boule avec son masque, hein, alterné. Comme d'hab. Là, on a les espèces de pics à la con. Donc, on voit qu'ils sont. Si je prends bah, par exemple ça, puisqu'on le voit assez bien. Si vraiment je le prends zoomé, on se rend compte en fait le chaque. Alors, en psycho, on parlait hier soir. On a pour chaque sprite un décalage d'un pixel. S'il fallait que je fasse une petite ligne. Alors, il faudrait que je me mette. Tiens, je vais sélectionner celui-là. Je vais élargir pour avoir tout sur le même. Voilà. Voilà, là on a tout. Si je me fais une petite ligne blanche au niveau du premier pixel ici, on va se rendre compte qu'en fait on est décalé. Ah merde! On est décalé d'un pixel. Voilà, là déjà on est un pixel plus droit. Et si je reprends celui-là que je m'aligne dessus, on va se rendre compte que le graphe suivant est décalé lui aussi d'un pixel. Et le suivant est aussi décalé d'un pixel. Voilà. Donc là, il n'y a pas de calcul en temps réel pour décaler les sprites. Tout se déplace au pixel mode 1. Et en fait, le décalage est déjà partout en RAM. Là, on a tous les ennemis. Là. Tous les ennemis. Alors, si on farfouille, on va trouver aussi des poteaux. On va trouver un peu de tout. Il y aurait moyen de refaire toutes les routines d'affichage et de le passer en mode 0. Hein. Il y aurait moyen. Alors après, le damier, il prendra un sacré coup dans la gueule parce que pour le coup, bah, ce serait moins joli, quoi. Donc voilà, tout simplement, comment c'est fait. Je repasse en machin. Du coup, j'ai pas lu ce que vous disiez. Salut, j'arrive et ça coupe. Mais non, ça coupe pas. On va s'optimiser, oui, parce que alors là, t'as une routine de conversion, en fait. Si tu cherches dans le jeu, bah attends, je vais repasser en bureau. Hop, voilà. Si tu cherches dans le jeu, alors on va retourner sur un graphe.
Bah la boule, tiens, puisque c'est ce qu'on déplace. Toc. Si je vais sur la boule, elle est en combien, elle? En 2F0A. Bah, allez, on va aller en 2F0A. Tac. Bon, là, on sait que c'est les graphes de boules pendant je sais pas combien de temps. Donc, on va faire un break on read. Donc, dès qu'il va lire ces octets-là, il va me faire un break. Donc, il faut que je me déplace pour qu'il lise, sans doute. Ouais, voilà. Et là, on tombe sur la routine d'affichage. Donc, qu'est-ce qu'a fait la routine d'affichage? Ben, elle lit l'octet et elle va récupérer les pixels un par un, quasiment. Enfin, elle va les récupérer par quatre, hein, logiquement. Je sais pas combien il contient, son E, son bordel. Il contient 1. XOR D. ND contient 1 aussi. Bon, ben voilà. Hein. Il fait ses petites opérations logiques et il rebalance dans le... à l'écran. Voire même dans un buffer, il y a un buffer en B et des brouettes. Allons voir en B et des brouettes. B00, on s'en fout. Il a un buffer qui doit être par là. Voilà, si je me mets en... Voilà, j'aurais dû me mettre comme ça. J'ai dit 40. Mais du coup... Voilà. J'aille plutôt à 32. Ah oui, bah en plus, alors, du coup, le CRTC doit même pas être avec les bonnes valeurs. Donc voilà, là, il y a un buffer où il affiche tout avant de le recopier à l'écran. C'est-à-dire, en fait, il fait tout son traitement. Il envoie tout ici en mode 2. Et après, il a une routine qui relie tout ce qu'il a dessiné là pour le renvoyer à l'écran. Et là, en l'occurrence, si on regarde bien, il n'a pas la boule. La boule, il la rajoute après. C'est ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, là, il est en train de lire, il est en train de la balancer dessus. Hein, d'envoyer dessus. Là, il fait ses... En fait, ce qu'il fait, ça doit être son masque, son masquage avec le fond, ça. Qu'est-ce qui se passe au-dessus? Pomme DE. Ouais, il envoie dans son buffer, donc il dit le truc, il fait son masquage, et puis il balance quoi. Il balance à l'écran, enfin dans le buffer en fait. Et après cette merde, donc en AD03 là, donc ça je vais supprimer ça. Pouf, on va aller en AD, retour AD03. Voilà, on va faire un break là-dessus, on va faire aussi un break connerie, et en fait, on va tomber sur la routine de traitement, qui est quasiment la même, et où il va nous balancer toute sa merde, tout prendre et le rebalancer, le recopier, quoi. Oh, c'est bourrin, hein. Dans tous les cas, c'est lent, quoi. C'est surtout très très lent, quoi. Il y aurait vraiment moyen de l'améliorer, quoi. Je comprends pas. Il prend et il rebalance à la même adresse. Il a fait son traitement sur place. Vache. Il doit y avoir un moment où il... L'écran, il est bien en 16.00. Regardez où est-ce qu'il est l'écran. Ah oui, bah oui, il faut que je me mette en mode 1 du coup. Pour l'écran. Alors ce qui est chiant aussi dans Winamp, c'est ça. C'est que plutôt que de lui dire, bah voilà, l'écran, il fait tant de large, tu me mets le truc à la bonne valeur, ah, tu es obligé de bouger jusqu'à obtenir le bon truc. C'est un peu pète-couille. Notre écran, il est bien en 16.00. Donc. Je vais virer ça et je vais plutôt aller chercher, regarder en 6.00. Hop, voilà, tac. Quand est-ce qu'il écrit là-dessus? Alors, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il ne me fait pas un breakpoint? Pourquoi est-ce qu'il s'arrête pas?
Ah bah, parce que tous les coups, hein, c'est 0-0, c'est du noir. Où il affiche jamais. J'ai pas mis assez, je suis dans les petits, je suis dans les petites merdes là, sans doute. Faut que je me mette là, faut que je me mette, tiens, là. Là, je suis en C0 AA. On s'en enlève. Hop. Ouais, go to C0 AA. Voilà, et puis là, on va faire ça. On refait la même chose, break and write, parce qu'en fait, il ne réécrit pas le cadre à chaque fois. Voilà, hop, paf. Et là, du coup, on tombe sur sa routine de conversion, normalement. Donc ça, c'est sa table de conversion, probablement. Alors, attends, qu'est-ce qu'il fait? Il lit le... Oh non, c'est une table d'adresse. C'est une table d'adresse pour calculer où afficher. Il a toutes les lignes de l'écran, toutes les adresses des lignes. D'accord, ouais. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait le inkhl. Il aurait pu l'incorporer directement dans sa table pour le coup. Parce qu'à mon avis, son inkhl, il sert juste à sauter les deux premiers octets là. Donc là, déjà, il aura pu gagner du temps en le virant et en le mettant direct dans sa table d'adresse. Un petit peu con-con. Alors, sa pile, elle est en combien? Elle est en AD06. Bah ça doit donner sur notre écran de tout à l'heure. Ta gueule, c'est pas là que je vais cliquer. Si je vais en AD06, 06, que je me remets en mode 2, on doit être pile poil dans notre écran, voilà, de tout à l'heure. Hop là. Voilà, hein, donc là, il a la pile qui pointe sur l'écran. Il récupère l'octet. Et après, il fait son petit traitement. Il récupère deux octets. Donc, hop, and. Voir son B contient quoi là? Ah oui, d'accord, ok. Hein, il garde que bah forcément que les pixels de gauche sur l'octet en mode 2 et après que les pixels de droite. Hein, donc là, il a récupéré en faisant son and. Son AND avec B qui est à F0, bah du coup il récupère les 4 pixels de gauche. D'accord. Ok. Ouais, c'est marrant. Bon, bah c'est long, hein. Il n'y a pas de surprise. C'est bourrin, quoi. C'est bourrin. Mais bon, bah de toute façon, il n'a pas le choix, hein. C'est un peu curieux comme truc. Je sens que je vais me faire une version 10 arcade. Ça veut dire quoi ça, 10 arcade? Et la mettre sur Asm Live. Ça pourrait aboutir à une version turbo. Ah ouais, non, mais faut pas faire une version turbo, il faut le repasser en vrai mode 1, par exemple. En vrai mode 1, ça devrait être suffisant. Hein. Ça devrait être largement suffisant. Ah bah, Eric. Eric qui râle parce que Twitch lui envoie pas de notification. Mais en fait, Twitch n'envoie de notification à personne. Ah oui, des assemblées avec 10 arcs, ouais. Ah non, mais il y a moyen, hein, sur des jeux. Alors ça, c'est typique hein, des spéciports. Dans énormément de spéciports, la technique, c'est ça. C'est d'avoir un écran buffer à la con qui est affiché en linéaire et de traiter après ce truc-là pour le recopier à l'écran. Donc, tu as un espèce de faux double buffering puisqu'en fait,
ils travaillent bien sur un autre écran, mais après, il va falloir leur copier en intégralité et le traiter, quoi. Ce qui est complètement... Bah, voilà, quoi. Mais c'est souvent comme ça que ça fonctionne, quoi. Avant, t'en avais, oui, moi aussi, mais il y a longtemps. Il y a bien 2-3 mois que j'en avais des notifications. Maintenant, j'en ai plus non plus. Et je crois que personne n'en a, hein, parce que tout le monde loupe les streams. Je sais que Thomas, c'est pareil, mais de temps en temps, il pine parce qu'il a loupé un stream. D'ailleurs, je suppose qu'il est en train de bouner, mais je pense qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il y en a un non plus. Mais voilà, quoi, c'est un peu pénible Twitch pour ça. Ça marche de moins en moins bien. Enfin, il y a beaucoup de choses qui marchent de moins en moins bien, je trouve, de toute façon. Mais bon, on s'en bat les steaks. Tronic GPA, yop, zéro notif par ici également. Bah ouais, bah comme d'hab. Comme d'hab, j'ai pas de solution, hein, je peux pas vous aider là-dessus. Moi, je vais pas m'amuser à envoyer un mail à tout le monde pour dire hey, je stream. Ouais, bah surtout que vous avez tout loupé, parce que moi, je vais arrêter en fait. Je vais arrêter. Voilà, on a terminé en regardant comment était bouiné ce petit jeu bien sympa, Impossible. Et voir comment est-ce que bah, ce serait optimisable hein, de le refaire en vrai mode 1, puisque là il est affiché en mode 1, mais bien entendu c'est un spaceport, donc en RAM c'est du mode 2. Et on a regardé, on a trouvé le petit damier avec son petit décalage au pixel, les sprites et tout, et on a vu vite fait les routines sans se pencher vraiment dessus, parce que alors, moi je déteste. Donc pas... Tiens, d'ailleurs, il y a une merde là sur le bord du sprite. Là, regardez là. Alors, on voit qu'il y a une merde là sur le bord du sprite. On dirait qu'il m'affiche un masque. Alors, est-ce que c'est moi qui ai fait merder le truc? Ah, je pense pas, j'ai rien modifié. T'as les notifs mail. Bah, moi, j'en ai rarement. Hein. Bah, ah oui, c'est le temps qui m'a tué. Enfin bref, voilà, un jeu bien sympa. Alors, si quelqu'un sait pourquoi au stage il n'y a pas moyen d'avoir la map quand on est dans le jeu, j'aimerais bien parce que c'est un jeu que j'aimerais bien faire en stream, mais je comprends pas. J'ai beau lui dire n'importe quelle touche quand je redéfinis le truc et il n'y en a rien à cirer quoi. Alors après, ouais, les notifs mail, il me semble que quand il les envoie, c'est limite trop tard, le stream est déjà fini. Hein. Que ça arrive là, ah, ça merde là sur le côté là. D'habitude, ça merde pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça, cette connerie? Pourquoi ça merde? Alors attends, je vais relancer le jeu juste par curiosité. C'était disque avec un K, je crois. Hein. Non, c'est avec un C. Bah non, je vais pas. Ah oui, exact. J'ai fait un trait blanc sur le côté pour montrer le décalage. C'est vrai, sur la petite étoile en plus. Donc oui, effectivement, c'est moi. Bah oui, logique. Logique, logique, logique. C'est moi qui l'ai fait merder. Bah bon, moi je pense que en mode 1, ça pourrait être. Oui, de toi tu suis, mais. Tu sais, au bout de 2 secondes, je me rappelle plus ce que j'ai fait. Sans trop de décalage. T'as de la chance. Moi, ça fait je sais pas combien de temps que j'en reçois plus. Alors, de temps en temps, j'en ai une, mais je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Je vais pas pigner parce que je loupe un stream. Au pire, il y a les replays. Bon, bref, on va s'arrêter là. On fait chier pour hostage quand même. On verra. Demain, on est quel jour? On est dimanche. Ouais, alors, bah, demain, je pourrais peut-être faire un stream. Demain, au début d'après-midi, pareil. Et dans ce cas-là, on fera au stage si j'ai trouvé une solution pour faire fonctionner cette merde de touche pour avoir la carte. Parce que ça ne fonctionne pas sous Winep et pas sous Garbox. Alors, c'est un peu bizarre. Hein. Du slip, hein. Surtout un tissu de touche qui fonctionne pas, c'est un peu curieux quoi. On aurait pu penser que c'était l'émulation du PPI du CPC+ qui fait merder, mais non, puisque là je m'étais mis en CPC hold au moins sur Garbox, donc il n'y a pas de raison quoi. Ah, voyons, et
Je me suis mieux démerdé que tout à l'heure. J'aime beaucoup ce jeu, mais je crois que je l'ai en original en cassette. Oh merde, putain, j'ai fait un petit saut pourri là. Hop là, hop, bon, c'est pas chiant, passe. Mais je crois pas que je suis obligé de les toucher, hein, ces merdes. Je crois même qu'il vaut mieux éviter. Bah oui, bah là, je me suis mis pile poil dessus. Et sinon, il est vraiment chouette ce jeu. Je trouve vraiment le gameplay relativement excellent, même si c'est vraiment difficile. Faut choper le truc. Moi, je l'ai plus, hein. Ça fait des siècles que j'y ai pas joué, malheureusement. Enfin, que je m'entraîne pour aller plus loin possible, un de ces quatre, quand j'aurai que ça à foutre. C'est-à-dire jamais. Bon, pff, je fais que de la merde. Mais sinon, c'est un jeu plutôt sympa si vous ne connaissez pas. Voilà, on va s'arrêter là. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas, n'hésitez pas, n'hésite pas. Oh, on dirait les comment ça s'appelle les streamers professionnels qui tutoient les gens qui regardent. N'hésite pas à t'abonner et clique sur le truc en bas de l'écran. Oh, qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui m'énerve? Tout m'énerve, en fait, tout le monde m'énerve, moi. Ouais, de toute façon, j'aime pas les gens. Bref. Donc, ouais, effectivement, Sico, tu peux tout à fait faire un petit truc pour désassembler dans 10 arcs et montrer un petit peu comment c'est fait. Hein. Il y aurait d'autres jeux comme ça, hein. Gauntlet 3, je crois que c'est exactement la même chose. Le même fonctionnement avec un buffer tout pourri. En RAM, c'est vraiment con parce qu'ils perdent énormément de temps. En fait, un traitement, ils auraient fait la même chose, mais avec un traitement direct, sans passer par un buffer qui, après, ils recopient à l'écran. Ce serait beaucoup plus rapide déjà. Plus tu rajoutes d'étapes, c'est pareil, et plus c'est lent. Donc c'est un peu con leur truc. Abonne-toi! Abonne-toi! Des cadeaux à gagner! Ouais, je m'en fous d'avoir un trophée YouTube. Hein. Oh, ça me ferait bien marrer d'avoir un trophée YouTube. Alors, je crois qu'il faut avoir plein d'abonnés. Alors, j'aurais un trophée YouTube. Franchement, ce serait trop mort de rien. Parce que je m'en fous, en fait. À moins qu'il me verse du pognon. Moi, s'il me verse du pognon, je veux bien un trophée YouTube. Mais les streamers qui l'affichent derrière eux, là. Alors, toujours dans le fond, là, derrière eux, là, il y a toujours le trophée YouTube qui, hein, qui est affiché. Tu regarderas mes propositions. Quelles propositions? Celles que tu m'as faites tout à l'heure. Parce que. Alors attends, que je remonte. Que je remonte. Projet futur. Alors, je ne connais pas. Je vais regarder tout de suite. Projet. C'est projet ou project? Qu'est-ce que tu as écrit? Project. Futur. Alors, ça me dit rien du tout. Projet futur. À quoi que ça ressemble, ça? Ouais, pourquoi pas? Ça date de 85, ouais. Donc, noté 12 sur 20 par les gens. Ouais, il y en a qui mettent 14 quand même. Hein. Après, c'est peut-être toi, ça. Alors, c'est un certain max. Ouais, bah écoute, celui-là, ouais, si tu veux. Et qu'est-ce que t'as dit d'autre? Diane! Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ces jeux? Diane, comme la bagnole. Mission Rubidium. Ok, bah oui, si tu veux. Et l'autre, c'était quoi? Goliath. Oh, ça me dit quelque chose, ça, mais ça me dit rien de bon, ça. Ça ne me dit rien de bon. Goliath, j'ai déjà dû essayer. Ah non, c'est pas ce que je croyais. Oh, ça a l'air tout mignon par contre, ça. Ça me dit quelque chose quand même, j'ai déjà dû y jouer. Ouais, bah écoute, ça marche.
Ça marche, mais écoute, on fera peut-être ça demain. 50 000 abonnés, t'es malade? C'est impossible, 50 000 abonnés. Je dois en avoir, je sais pas combien j'en ai, 200? Genre. Non, mais j'ai rien. Hein. Bon, je m'en fous un peu, hein, de toute façon, les chaînes du CPC. Hein. Alors, attends, comment est-ce que je vois mon nombre d'abonnés? Je sais pas quand, où est-ce que je vois ça, combien j'ai d'abonnés, moi. Alors, attends, si je remets ça en full screen, je vais peut-être le voir. À propos. Non, accueil. Non. Ah, 229 abonnés, ouais, donc tu vois. Va falloir du temps, hein. Il va falloir du temps. Engage des followers chinois. Ouais, c'est ça. Tu crois pas que j'ai payé des gens? Donc je m'en fous. Je m'en imprimerai un en 3D. Et puis c'est tout. Comme ça, je ferai croire que j'ai plein d'abonnés. Je peux même pas imprimer, j'ai plus de fil. Bon, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon après-midi. On se retrouve sur les chats. Chat Amstrad, Amstaria. Voilà. Bah, c'est tout, d'ailleurs. Hein, ou sur Facebook ou ailleurs. Et puis, voilà. Allez, ciao, et puis à demain pour essayer les jeux que Mion a proposé. Alors j'espère que ce sera pas trop de la merde. Et si quelqu'un arrive à faire fonctionner Hostage avec la carte, je suis preneur de l'information. Fais un concours sur ta chaîne. Non, 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 mais je ferai un concours de toute façon pour gagner les jeux qui ont été achetés avec la cagnotte. Alors je ne sais pas si je ferai gagner un lot entier ou si. Alors j'ai plusieurs solutions. Soit je fais gagner un lot entier. Alors il y a combien de jeux? Là, j'en vois au moins deux ou trois. Alors que je regarde. Ah, bah attends, je suis con, j'ai la liste ici. Alors, il y a la compilation 10 Computer X3, il y a la compilation Kids Play. Et la compilation Super Hero, mais la compilation Super Hero, je pense que je vais l'acheter en fait. Donc, je vais remettre sur la cagnotte les 34,25 € qu'elle m'a coûté. Parce que je me suis bien fait chier. Je ne sais pas vous montrer. Mais. Alors, je vous l'avais montré quand je l'ai reçu, et maintenant regardez, elle est quasiment plus tordue, hein, on voit un petit peu encore, mais alors Nikon, j'ai dû la repasser. Oh, je l'ai repassée entre deux torchons pendant je sais pas combien de temps pour essayer de la redresser et de la rendre à peu près propre, hein, sachant que c'était un truc neuf sous blister. Alors les disquettes, je vous en parle même pas, j'ai eu le malheur d'en mettre une dans mon lecteur après un nettoyage, j'avais fait un nettoyage quand même parce que je suis pas suicidaire. Donc j'ai fait un nettoyage, hein. Quand je nettoie une disquette, en général, c'est propre, quoi. Les disquettes ne passent pas forcément parce qu'il reste peut-être des merdes, mais normalement, elle est à peu près propre, quoi. Et ben, elle a réussi à me flinguer mon lecteur, et mon lecteur, il lit plus aucune disquette, quoi. Non, non, à tout dire, les chemises, je repasse pas ces merdes-là. D'ailleurs, je ne porte jamais de chemise, je supporte pas ça. Mais... Je retire mon pull si tu t'abonnes. C'est 100. Oh la vache. Ah ouais, non, mais c'est des trucs de malade. T'as vu les mecs qui arrivent à avoir des. Non, mais après, c'est leur taf aussi. Hein, et pour réussir à avoir autant d'abonnés, je sais pas, des mecs comme Edouard. Tiens, Edouard, j'aime bien Edouard par exemple. Combien est-ce qu'il a combien est-ce qu'il a d'abonnés? Edward. Où est-ce qu'il est lui? Putain, il a pas. Tu vois, faut que je gère des trucs. Il y a des trucs dans mes abonnements qui me servent à rien. Forcément, c'est pas rangé par ordre alphabétique. Hein, juste pour me casser les pieds. Tiens, Thomas, il a combien d'abonnés, Thomas? 250, putain, il fait mieux que moi, hein, l'enfoiré. Hein. Il a 25 personnes de plus que moi. Hein. On m'aime pas, hein, franchement. Bon, après, il y a des gens qui regardent jamais mes streams, genre Commander, on ne le voit jamais participer. Amstrad Maniac, lui, il doit en avoir un paquet, hein, je pense. Hein. Ah ouais.
Vache, putain, 2,21K. Eh ben, il a dû avoir un trophée, lui, alors. Où est-ce qu'il est, Edouard? On s'en fout un petit peu, tu me diras, mais lui, il doit en avoir un paquet. Donc, même le joueur du grenier, tout ça, il doit en avoir une quantité énorme. Voilà, là, genre, il est là. Bazar du grenier, c'est joueur du grenier, ça. Ouais, d'accord. Il est dans le milliard d'abonnés, quoi. Et Edouard, le voilà. À 171K. Ah, il en a moins que le joueur du grenier. Hein. Bon, on s'en bat les steaks. Allez, sur ce. 10 millions, ça n'a pas quoi. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Oh, en France, il doit y avoir quasiment personne. Hein. À avoir des trophées, il ne doit pas en avoir beaucoup. Hein. Ouais, 171 000. Ouais. C'est pas mal. Va falloir que je fasse des vidéos sur d'autres machines. Allez, ciao. Bah, bon week-end, oui, à demain sans doute. Hein. À demain sans doute. Et puis sur les chats dans la journée. Allez, ciao les filles. Merci d'avoir suivi. Abonne-toi. Mets un pouce bleu. Et ciao. Ouais, exactement, c'est ça. C'est d'avoir des gens cool et d'avoir de la participation parce que. Moi je fais ça pour m'amuser, mais le jour qu'il n'y a plus personne qui regarde, plus personne qui. Bah, c'est quoi dire, mais qui met son petit pouce ou son petit commentaire sur les vidéos. Moi le jour où il n'y a plus personne qui le fait, je ne vois pas pourquoi je continuerai parce que ça montrera que ça intéresse personne, quoi. Déjà que ça intéresse pas grand monde. Voilà, bon après je verrai parce qu'il y a peut-être il y a 2-3 vidéos que je ferai. Où je ferai un sous-titre anglais quand même. Parce que c'est des vidéos que je ferai hors stream, donc je pense que celles-là elles attireront du monde et c'est pas mon but, mais ce sera rigolo de voir la réaction. Et c'est pareil, ça fait 10 ans que je dis que je vais faire les vidéos, mais faut trouver le temps, c'est chiant quoi. Je suis pas motivé quoi. Là, j'avais préparé un truc sur. Parler de coding en faisant un petit Tetris, tu vois, coder un Tetris pour un débutant en assembleur ou avec deux trois idées, réfléchir sur des machins. Et j'avais préparé, j'avais fait des schémas, j'avais fait des trucs. Puis j'arrive pas à me motiver à commencer. Il faudrait vraiment que je réfléchisse à une liste de choses et comment le faire, machin, etc. Mais j'ai la flemme quoi. 5 chaînes, ouais, tu vois. Bah tant mieux, ça veut dire que les Français passent pas leur temps devant YouTube. Tant mieux, bon, ils passent leur temps devant des télé-réalités à la con, c'est pas mieux, tu me diras. Les trucs débiles, les Marseillais, qu'est-ce que je suis tombé dessus l'autre fois là? Oh, ça devait être ça, un truc, les Marseillais, je sais pas trop quoi, enfin des trucs, mais débiles, putain! Ah, je zappais la télé et je tombe sur cette merde. Je me dis, tiens, c'est quoi ce truc-là? Puis je vois, ah putain, quand j'ai vu le niveau intellectuel des mecs, j'ai fait, ah enfin, des mecs et des gonzesses. Mon Dieu, il y a des gens qui regardent ce genre de merde, quoi. Tu me diras, il y a des gens qui regardent Plus belle la vie, c'est pas mieux. Hein. Les gros requins, c'est 100 millions, ouais. Bah ouais. Bon, allez, on va pas parler de ça pendant 10 ans. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des petites suggestions, comme Lyon, n'hésitez pas. Et puis, on continuera de regarder des jeux, de regarder un petit peu comment c'est fait dedans de temps en temps, même si c'est un peu toujours la même chose. Ah, ouais, c'est possible. Ouais, bah, alors les gros mots, par contre, je sais pas comment je les traduirai. Hein, pour le coup, hein. Déjà que je suis nul en anglais. Allez, ciao, à plus.